aujourd'hui une petite vidéo sur la Cut Box. J'ai commandé la Cut Cat, qui est la celle qui est dédiée aux chats, qui est sortie au mois d'avril. Donc ceux qui suivent la Cut Box normalement devraient savoir le contenu. Moi je n'ai pas regardé pour me faire la surprise, parce que c'est une abonnée qui m'a dit qu'il y avait la spéciale Cut Cat. Elle a dû repérer que je mets les chats, donc je l'ai commandé. Celle-ci, je l'ai payée 18,99€. J'ai vérifié le prix sur le site. Et il y a une qui est spéciale pack aussi, mais qui est en rupture de stock. Donc je crois que celle de mois de mai, elle n'est plus disponible. Mais vous pouvez commander tous les mois, c'est pas un abonnement automatique. Voilà, alors ça se présente comme ça. Je vais essayer de vous cacher mon nom et mon adresse, parce qu'elle m'a mis des cœurs et tout le bazar. Merci. Voilà, ça se présente comme ça, avec toujours un petit lapinou. Une petite boîte. Voilà, ça se présente comme ça. Vous la reconnaissez tout de suite avec son petit logo là, le petit lapin. Alors, j'ai descotché autour pour pas faire trop de temps pour ouvrir. Ça va marcher, je pense que oui. Alors, ça se présente comme ça. C'est une petite carte, la Cut Box. Montre, j'ai pas lu plus. Alors, recevez une box kawaii tous les mois. Découvrez également la boutique en ligne cutbox.fr. Oui, vous pouvez aussi acheter les produits sur le site s'il en reste, bien entendu, dans la limite du stock disponible. Je vais le mettre là. Alors voilà, ça se présente comme ça. Si je peux pas trop baisser, voilà. Il y a le petit menu qui est là et les produits. Prendre le petit menu, c'est spécial Cut Cat, et oui, j'ai oublié de la prendre celle-là au hasard, parce que je n'ai pas triché, je n'ai pas regardé le contenu qui a été révélé sur le site. Voilà, avec un petit chat dedans. Vous voyez tout ce qu'il y a. Je vous montre à vous comme ça, moi je vais me faire la surprise. Voilà, c'est tout le détail de ce qu'il y a dans la boîte. Dans la box. Moi j'ai tendance à parler français, hein. Je sais que c'est tendance de parler avec des termes anglais, les all, les... mais moi j'ai beaucoup de mal. Voilà, hop là. Bon, vous avez dû le voir, moi je parle avant. Alors j'ai un petit bijou, je sais pas si hein. J'ai un petit sachet comme ça. Voilà, une petite boîte en carton. Je vois pas ce qu'il y a, parce que derrière, vous voyez, c'est zébré. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait ses griffes. Merci. Alors, vous voyez. Et merci pour votre achat. Voilà, c'est une petite gélule. Il y a marqué vitamine dessus. Avec un petit nounours, un bia, comme vous dire en anglais, un petit nounours. Et ça a l'air de s'ouvrir. Ball pen. Ça va être un stylo, ouais. C'est comme ça. Et quand vous l'ouvrez, ça fait un stylo bille. Voilà, je crois que c'est un petit bonus, ça. Voilà. Très sympa. Moins grandi, je ne peux pas l'essayer. C'est un petit cartonnette. Alors, c'est bleu. Ouais, je viens d'essayer sur le carton. Voilà, un petit stylo compact. On peut le remettre dans un sac, c'est très pratique. Ouais, dans un petit sac, voilà. Le remis dans sa petite gélule, on va dire. C'est pas bien la vidéo aujourd'hui, c'est pas super beau. Comment c'est vrai que je fais des vidéos? Alors là, il y a une trousse là. Une trousse, voilà. Qui est l'air d'être un chat. Et dedans, il y a tous les produits parce que c'est vide le carton. Voilà. On voit les cils. Ah ouais, c'est mignon. Voilà, attendez, ça y est. J'en ai une grise comme ça. En plus. À côté,
Et j'ai la petite trousse avec un petit pompon, petites oreilles. Voilà, il doit y avoir tous les objets spécial chat cat. Celle-ci, bon, je ne l'ai pas ouverte, mais je crois que je vais ouvrir quand même. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans. Ah si, il y a des trucs dedans. Il y a un masque. Un masque pour se reposer. Voilà, avec des cils. Alors après, il y a quoi? Il y a une petite carte postale avec un chat et un lapin, on dirait. Un peu ambiance pack. Voilà, c'est plastifié, c'est sous un petit plastique. J'espère que ça ne brille pas trop. Non. Voilà. Et j'en ai une autre qui est un chat. Ça va éternuer. J'ai envie d'éternuer. Alors, ça va aller. Oh, les allergies au pollen, c'est grave. Voilà. Excusez-moi. Et derrière, voilà, pour écrire. Deux petites cartes postales. Alors, je les remets dans la petite trousse grise. Ça, c'est très mignon, tiens. Je vais le prendre. Je vais prendre l'avion. Voilà, je remets tout dans son petit sachet. Après, maintenant, je vais attaquer la noire, la plus grosse, qui a l'air pleine. Je vous le confirme, comme vous voyez. Voilà. Alors, on commence au hasard. Il y a un petit porte-monnaie en forme de chat, on dirait. Je crois que c'est un petit porte-monnaie. Très mignon. Ah, le plastique, excusez-moi pour l'oreille. Voilà. C'est mon chat qui regarde. Oui, hein, je vais faire une chaîne spéciale chat. Voilà. Ça se présente comme ça. Très mignon. Et ça s'ouvre. Les oreilles, on dirait, par en haut. Voilà, je voulais pas la laisser en caoutchouc, on dirait. Mais voilà, c'est pas zippé, c'est juste clapé comme ça. Hop, et ça se coince avec les oreilles. Voilà, un petit porte-monnaie pour mettre sa monnaie. Très mignon. Alors avec ça j'ai, je sais pas, ouais, bon, je vous montre hein, déjà, excusez-moi, voilà, il y a une petite tête de chat, je vais vous le zoomer, voilà, et ça se présente comme ça, et on dirait que c'est un stylo, voilà, et sur le bouchon c'est marqué Baccia. Si je dis une bêtise, m'en voulez pas, hein, parce que mais je pense que c'est un stylo. Ouais, c'est un stylo noir. Remonte chat. Tiens, voilà. Hop. Alors, j'ai un écarteur d'orteil avec tête de chat rose. Voilà. Regarde là, ma batterie, j'espère que tu auras assez de batterie. J'ai un petit bijou qui va être en forme de chat, je présume. Alors, j'ai un collier, on dirait. Ah ouais, très mignon. Avec un chat avec des lunettes en strass noir et le corps en strass. Voilà. Et il y a autre chose dedans. Oui, ces petites d'oreilles roses. Les petites oreilles de chat. Les clips derrière. Voilà. Je vais remettre dans son petit sachet. Petit sachet fleuri comme ça. J'espère que ma batterie va tenir. Oh. J'ai ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est vert et une boule au bout. Il y a un jouet à chat, je ne suis pas certaine. Là. Je vous le sors. Il y a une balle. Excusez-moi, montre.
une gomme, plutôt une gomme. Voilà, ça fait comme une boule de planète, comme ça, verte et blanche. Et avec des petits filaments verts. Je triche, hein, parce que comme je n'ai pas beaucoup de batterie, je pense que ça doit être une gomme. Oui, mon chat, voilà, là, ça y est. Elle amuse, voilà. Je pense que c'est la texture d'une gomme. Voilà, tiens. Alors, on sort encore. J'ai un bijou de portable en forme de chat vert accroché au téléphone. Un petit chat tigré vert, très mignon. Voilà. Ouais. La couleur est bien. Un marque-page, on dirait. Je ne suis pas certaine, je vous montre. Voilà, c'est un petit chat noir. Voilà, comme ça, longiligne. Derrière, il y a la notice. Avec, bon, je ne parle pas. Pendentif, perte de bouton. Je triche en même temps. Hein. Un enrouleur de câble, c'est. Un enrouleur de câble chat noir. On le voit là. Là, je triche que j'ai pas beaucoup de batterie. Hop. Ouais, ça maintient les câbles. À essayer. Très mignon. Hop. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est des. Pour les ongles. Pour décorer les ongles. Avec des petits chats. Vous mettez dessus Nayart. Je sais chez qui ça va partir. Un petit bloc-notes, chat de la chance. Voilà. Un petit bloc-notes. Comme ça. Et voilà. Après, le reste, c'est la trousse à utiliser. Je vais la réutiliser pour le maquillage. Je crois que j'ai tout sorti. Voilà, là, c'est le petit menu que je vous remontre. Je vais regarder. Deux cartes postales, séparateur d'ongles, une planche de stickers pour ongles, un joli pendentif, une paire de boucles d'oreilles chat, porte-monnaie Mimi Pochi en silicone noir et blanc, un masque de nuit pour dormir, un enrouleur de câble, un strap chi, ça c'est le pour mettre sur le téléphone, un stylo encre gel, un bloc-notes et un sac de soirée. Et la bonus, c'est une balle rebondissante comète pour votre boule de poil. Ouais, c'est ça. C'est le pour mon chat. D'ailleurs, il s'amuse avec. Ça, là. C'est une balle. C'est pas une gomme. C'est une balle rebondissante. Et voilà. Je vous fais un petit bisou. Et puis, à bientôt. Je recommanderai sûrement d'autres. Mais j'avais un petit peu calmé ces derniers temps. Allez, bisous. À plus.